Voilà, de retour sur le rond-point du dépôt pétrolier de Puget-sur-Argent. Voilà, donc les forces de l'ordre sont en train d'arriver pour faire lever le blocage. Pour rappel, opération de blocage lancée ce matin à 3h30 donc sur le rond-point qui permet d'accéder au dépôt pétrolier de Puget-sur-Argent qui alimente une bonne partie du Var et des Alpes-Maritimes. Voilà, et apparemment l'heure de lever le camp pourrait bien être arrivée. Vous avez vu le terrain de Grand Marie.
êtes complices de vos enfants masqués. Vous êtes complices de vos enfants vaccinés. Pourquoi? Pour nous taper. Hein, ouais. Merci. Elle vous attend la troisième dose. Complice. Vous êtes complice. Pensez à vos familles. Vous aussi, vous êtes concernés. Vous êtes concernés autant que nous. Ouais, facile. Vous êtes concernés. Hey, regardez comment vous êtes. Il y a des femmes et des enfants. Vous êtes armés jusqu'au dos. Femme de chien. Bande de crevards. Vos enfants sont là, masqués, vaccinés, grâce à vous. La police, elle n'est pas vaccinée, la police. Grâce à vous, les vaccins sont là, la mort est là. Vous devez protéger le peuple. Vous n'avez pas honte de voir vos enfants marcher tous les matins. Vous devez nous protéger. Vous faites quoi? Vous faites le contraire. Hein? Là, vous êtes beau, là. Vous êtes beau, là. Allez, repli. Vous êtes beau avec tous vos casques, vos armures, là. Face à des gens désarmés. Ne l'oubliez pas. On est soldats. Nos armes, c'est nos paroles. D'accord? Nos armes, c'est nos paroles. On reviendra. On est là. On est là. Même si la foule est totale, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si la foule est totale, on est là. Vos enfants, ils sont masqués. Eh ouais, merci à vous. Merci à vous. Tout ça, sans prix. Police partout, justice nulle part. 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 On n'a pas d'armes. Ils s'en foutent.
Quand Zemmour leur dirait de nous tirer dessus, ils le font. Ah, je sais, je sais. Alors que c'est l'armée. Alors que c'est l'armée. Alors que c'est l'armée. Et l'armée doit nous abattre contre le peuple. Pas contre le peuple. C'est l'armée. La gendarmerie, c'est l'armée, c'est militaire. Et les militaires, normalement, ne rentrent que le peuple. Pas contre le peuple. Écoutez plus Macron, il s'en va. Après Macron, vous rendrez des cons. N'hésitez pas à partager le live. Pour rappel, on est au rond-point qui dessert le dépôt pétrolier de Pugey-sur-Argent. Une action a commencé ce matin vers 3h30 pour bloquer l'accès aux camions au dépôt. Voilà. Et là, les forces de l'ordre sont arrivées pour déloger le blocage. Marie. Les gilets jaunes, la, les gilets jaunes, les gilets jaunes, les gilets jaunes. Juste pour vous remercier pour votre travail. Et après la quatrième dose pour vous remercier. Vacciné, vivez. Allez, go.
Donc en direct du rond-point qui dessert le dépôt pétrolier de Puget-sur-Argent. Voilà, un blocage a eu lieu depuis ce matin, 3h30.
Et le blocage vient de se faire déloger donc par l'intermédiaire de plusieurs pelotons de forces de l'ordre, de gendarmerie. Voilà. Alexandre, il y a beaucoup de bleus, plus que de manifestants. Ils sont tous partis. Ils pouvaient rester, hein. Ils pouvaient rester, cracher leur venin, les mecs, hein. On est partis. Non, c'est bon. On va les garer là-bas. Donc, en plus, je connais pas trop par ici. Moi, je suis jamais venue dans le coin. Donc, voilà. Je vais passer par là-bas. Hein. J'ai le droit de passer. Je vais chercher ma bagnole. Ils vont pas m'empêcher de passer là. Je peux passer. Je vais chercher ma voiture. Moi, je vais chercher ma voiture là-bas. Hein. Elle est là-bas. Fin de l'opération blocage au rond-point de Puget. Voilà, on manquera pas de revenir au prochain épisode.
Allez, merci d'avoir regardé ce live. Je vais couper et je vous dis à bientôt.